Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo présentation custom et test en avant-première. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se concentrer sur la nouvelle Renault 5. Oui, Renault fait son apparition sur GTA Online, ou va faire, puisqu'elle sortira prochainement sur GTA Online. C'est donc une Renault 5 Turbo 3E appelée dans GTA 5 Penaud la Coureuse. Alors le nom est vraiment pété, on va pas se mentir. Penaud, ça fait limite de la peine, on va dire. Et c'est donc, elle aussi, vous l'aurez compris, une électrique. Décidément, dans ce DLC, on a pas mal de véhicules électriques. Donc, bah, voici Renault, comme je l'ai dit, qui fait son apparition sur GTA Online de manière assez inattendue. Donc, cette Penaud la Coureuse sera à vendre sur le site legendarymotorsport.com. À un prix de 1 990 000 GTA dollars. Au passage, vous me l'avez demandé pour la Bravado Buffalo EVX, le style de véhicule, donc la Bravado, bah, évidemment, c'était une muscle car, et celle-ci, c'est dans la catégorie des sportives. Donc écoutez, bah, elle a un style plutôt sympa, cette Renault 5. Hein. Il y en a qui se foutaient de ma gueule quand je disais futuriste, mais oui, je suis désolé, elle a une ligne qui est plutôt futuriste. Hein. Elle a des éléments qui font très futuriste, hein. Les LED à l'avant, les phares à LED, regardez-moi les rétros, on dirait des rétros qu'on peut voir dans Cyberpunk, donc oui, et même les jantes, hein, c'est des jantes qu'on peut voir avec des véhicules plutôt futuristes, et qui n'ont rien à voir avec bah, l'âge qu'a à la base la Renault 5, hein. C'est une voiture qui a pas mal d'années, donc effectivement, oui, elle a une ligne futuriste, on peut pas dire qu'elle a une ligne des années Monvier, vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, faut reconnaître aussi les choses. Certes, la base de la Renault 5 est là, mais elle a pas mal de pièces qui font qu'elle a une ligne plutôt futuriste pour ce véhicule. Puis c'est une électrique qui est toute récente, donc voilà quoi. Donc bah écoutez, bah, on va faire cette présentation custom et test hein, de cette Penaud la Coureuse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les portes et le capot, on va aller voir un petit peu tout ce qui s'ouvre sur ce véhicule. Allez, bah écoutez, il y a un peu tout qui s'ouvre, je suis agréablement surpris, et même à l'avant, qui est plutôt bien détaillé, hein, franchement, là, ils ont fait les choses proprement. Hein. Honnêtement, par rapport à la Buffalo EVX, c'est quand même beaucoup plus propre là. Franchement, regardez-moi, même le radiateur et tout. Les pales, tout ça, il y a tout qui est bien détaillé. Les amortisseurs, c'est plutôt bien foutu. Bon, on voit que c'est des images, hein. C'est fin comme je sais pas quoi, on dirait des bandelettes, mais voilà, c'est déjà plus propre, je trouve. Même le fond en carbone, c'est plutôt stylé, hein. Vraiment. Là, ils font plaisir. Après les jantes, voilà, hein, qui sont plutôt sympas aussi, hein, dans le style. J'aime bien avec le turbo. C'est vraiment stylé, vraiment. Elles sont vraiment jolies. Ces jantes, limite elles font un petit peu aussi en mode Maze Bank, enfin mode labyrinthe, un petit peu le style. C'est assez marrant son style de motif sur ces jantes. Bon, en tout cas bien sympa. Bon, après l'intérieur, bah, on a un intérieur de compète mélangé à un intérieur à l'ancienne, ce qui est plutôt cool aussi, bien pensé. Ouais, franchement c'est pas mal. Les harnais jaunes Jackal. Et voilà, sobre comme intérieur, avec un compteur, on va le voir, hein, qui est un compteur, il me semble, numérique, qui est plutôt récent aussi, quoi. Hein, non, non, franchement, je trouve que ils ont plutôt bien bossé le véhicule pour le moment. C'est cool. Là, on voit la grosse prise d'air, vraiment incroyable. Elle a des pneus énormes à l'arrière, des jantes. Les jantes, elles sont grandes, hein, vraiment. Ensuite, bah, regardez, même ça. Les feux arrière, si ça fait pas futuriste, les amis, je sais pas quoi dire. Hein, c'est pas du tout du style de la Renault 5 de base. Ça, hein. Donc après, bah, on voit le moteur électrique, hein, en fait, hein, tout simplement. Et là, c'est pareil, c'est plutôt bien détaillé, je trouve. C'est intéressant de voir ça comme ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Je pense que c'est les deux batteries au-dessus. Je m'y connais pas trop en véhicule électrique, honnêtement. Je pense que c'est les batteries, mais vous me direz peut-être que vous reconnaissez, vous, s'il y en a qui s'y connaissent un peu plus. C'est vrai qu'en électrique, je me suis jamais vraiment intéressé. Il me semble que c'est des batteries, mais je suis pas sûr à 100%. Enfin voilà. Mais en tout cas, bah, écoutez, c'est bien détaillé, comme je dis, et c'est plutôt propre. Ça fait plaisir qu'ils ouvrent le coffre à l'arrière pour qu'on puisse voir un petit peu les détails. C'est sympa. C'était le rond, il est immense. On pourrait faire
un barbecue dessus. Tellement il est grand. Voilà, puis alors le pare-choc arrière aussi, il est ouf. Il est immense le pare-choc arrière. Voilà, il est énorme, franchement. C'est un truc de dingue. Donc après, bah, côté conducteur, évidemment, ouais. Vous voyez, hein, c'est des compteurs. Ouais, je pense que c'est un compteur numérique. Avec un volant de course, avec le motif Peugeot au milieu. Donc le motif Peugeot, hein, vous l'aurez remarqué, hein, c'est le motif Renault, mais de travers. Hein, et retouché un petit peu, mais voilà, quoi, ils sont pas trop fait chier, hein, pour le motif de la Renault Peugeot, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait le tour. C'est rétro aussi, hein. Avec, regardez, en fait, c'est même pas des rétros, c'est des caméras. Regardez. Voilà. Donc, en fait, à la base, il doit y avoir un écran pour voir à l'intérieur, je pense, du coup. Pour voir sur les côtés de l'intérieur. Et je pense que c'est les deux petits écrans à gauche et à droite, là. Faudra voir un petit peu ce que ça donne quand on est dedans. Mais bon, je pense pas qu'on ait les rétros. Mais bon, en fait, c'est des rétros numériques. Hein. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, avec des caméras. Voilà, donc même ça, hein, excusez-moi, mais c'est pas sur la Renault 5 de base. Hein. Donc si ça, c'est pas futuriste aussi, je sais plus quoi vous dire, moi. Enfin, voilà. En tout cas, bah, j'aime bien le style. Je trouve que ça a été plutôt vraiment. Là, ils font plaisir, ça a été bien travaillé. Hein, vraiment, ils sont allés au bout du truc, au bout du délire. Et ouais, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, on va fermer tout ça, et puis on va partir la tester et aller jusqu'au LS Custom avec. Man, you got off lucky, homie. On arrive au LS Custom, il y a un truc que je trouve aussi super stylé, c'est les LED à l'avant, là. La bande LED qui clignote, un petit peu à la manière de la Deluxo et de l'Oppressor. Alors est-ce qu'elle aurait la technologie dont on pense tous? Regardez, même à l'arrière ça clignote aussi, c'est vraiment stylé. Hein. Allez, on va les custom cette voiture. Here for the magic touch. Voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est parti. Blindage comme d'hab, 100%. Frein de course, pare-choc avant. Ok, donc couleur 1, plastique, série carbone, autocollant. Ouais, c'est pas ouf ça. Ok, GT. C'est tout? C'est tout? Oh non, ils sont sérieux. On a, en fait, on a que deux pièces avec cinq variantes, quoi.
À chaque fois. Ah, c'est pas ouf quand même, hein. C'est pas ouf-errant, quoi, du coup. Pare-choc arrière. Couleur 1. Voilà, bah là c'est le même pare-choc d'une autre manière, quoi, du coup. Ouais. Bon, bah là je suis un petit peu déçu déjà des premières customs. On va voir la suite. Capot. Couleur 2 en carbone, autocollant. Ok. Finition plastique couleur 1. Couleur 2. Finition carbone. Ok. Capot vent incrusté. Capot ventilé couleur 1. Il y a un peu plus de capot déjà. Capot de course. Capot GT. Ce sera le dernier. Eh bah écoutez, on est parti sur un truc en carbone. On va y aller. Ça va être un petit peu what the fuck cette affaire. Phare. Xénon évidemment. Kit néon. On va déjà mettre les supports. On verra après. Motif. On verra après. Rétroviseur. Donc là après voilà. On a des rétroviseurs normal. Donc là, c'est des rétroviseurs de série avec des caméras intégrées. Ok, couleur 2, en carbone. Plastique. Voilà, c'est pareil, hein, c'est pas la folie. Hein. Ouais, bah écoutez, je vais laisser cela, moi. Ensuite, plaque. On va mettre noir. Peinture, on verra après. Arceau de sécurité. Ok. Siège fibre balistique. Ah ok, c'est l'arrière des sièges qui change. Oui, hop, carbone balistique. Siège de sport. Ok. On va mettre comme ça. Toit série. Couleur 1 en plastique. En carbone. Ok. Principal. Couleur secondaire. Galerie, ok, ok, on a la prise d'air sur le toit. Autocollant, ouf, la méga prise d'air. Ah, c'est stylé comme ça. Ok, allez, on est parti. Bas de caisse. Autocollant, couleur 1. On a un peu plus de choix déjà hein, que les pare-chocs. C'est déjà une bonne nouvelle, mais bon. On va voir. Ok. Plaqué. Plastique. Et pourquoi là on n'a pas du carbone? C'est dommage. Ils étaient bien partis. Allez, comme ça, tac. Aileron, alors. Couleur 1. En carbone. Ah, c'est sur les côtés, ok. Plastique. Ok, donc après on a un tout petit aileron. De toit. Ok. Un aileron un petit peu différent de drift. Couleur 1. Couleur 2 de carbone. Ok, autocollant. Ensuite, on a celui-ci. Ah, il est pas mal, mais ça fait un peu bizarre avec la taille de la bagnole. Vous êtes en carbone. Hop. Parce que je trouve qu'il est pas si mal, il va pas si mal. Alors après Fukaru, Fukaru noir, Mage blanc. C'est dommage qu'on ait pas la marque tout simplement. Ça aurait été cool. Et du coup on va remettre un petit peu de rouge aussi. Allez hop, tac. Suspension. Ah bah c'est sport, compétition. Est-ce que ça touche le carrossage? Un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Hein, vous voyez. On va la rabaisser un peu pour voir. Coffre. Ok. Couleur 2. Carbone. Ah, persienne. Ok. Ouais. Voilà. Type de roue. Ça, on verra après. Vitres. On va les fumer foncer.
Allez, on va faire comme ça. Couleur des jantes, on verra après. Pneus. Tac, ok. Donc il nous reste le motif. La coureuse. Ok, en gris. Il y en a nulle part ailleurs. Voilà, c'est juste là. Peut-être à l'arrière. Non, même pas. Après, on l'a en blanc. Simple mais efficace, j'aime bien. Ensuite, on a des bandes épaisses au milieu. Avec une bande large au milieu et deux petites bandes sur les côtés. Bande épaisse noire. Ok. Course française. Évidemment. Évidemment. Course penaud. Ouais, c'est pas mal. Ah, le drapeau japonais. Ok. Rallye penaud. Ouais. Ouais, pourquoi pas. À la limite, je préfère celui-là. Il est plus simple et plus sobre. Course. Redwood. Pas mal aussi. Camouflage abstrait. Ouais, bon. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. La coureuse motif. Ah bah ouais, c'est les motifs qu'il y avait sur la jambe, vous voyez. Ouais. Après, les couleurs. Ouais, le rouge, il rend pas mal, hein. Gris foncé. Hop! Couleur secondaire. Je pense qu'on va le laisser en rouge en vrai. Ou alors on le fait en jaune comme les bandelettes. Jacal. Ah mais ouais, même là les... C'est dommage que les sièges ils changent pas de couleur du coup. À moins que... Non. Ah, c'est dommage. Couleur finition. Ah, il y a un bug. Du coup, de finition, je pense qu'on va les mettre blanches aussi. Hein. Blanche ou rouge. On va mettre un rouge lave. Voilà les amis pour la penaud, la coureuse full custom. Bah écoutez, au début j'étais un petit peu déçu au niveau des customs pour les pare-chocs avant et arrière. Et puis après pour le reste on a quand même plus ou moins de choix. Donc c'est plutôt cool, c'est juste dommage que le pare-choc arrière on puisse pas le changer un petit peu de manière quoi. De style tout simplement. Mais sinon le reste ça va, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on peut faire des customs assez variés. Bon là on est parti sur un truc un petit peu délire carbone, donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais encore une fois je le répète, au cas où, la vidéo c'est une vidéo présentation custom et test. Ce n'est pas une vidéo concours de la voiture et la custom la plus belle. Donc la custom n'est pas faite pour vous plaire. Voilà, c'est juste pour vous montrer les possibilités de custom dans cette vidéo. Tout simplement, pour vous donner un avis et pour que vous sachiez quand elle va sortir si vous voulez l'acheter ou non. Voilà, tout simplement. Ça vous permet aussi de vous donner déjà une idée de la custom que vous voudriez faire quand elle sortira. Voilà. Écoutez, moi sinon, bah, j'aime bien son style. On va voir un petit peu ce qu'elle donne en custom.
Je vais vérifier certaines choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est customisable en HSW chez AO Special Work, au cas où. Voilà, c'est un véhicule qui va, à mon avis, bien bombarder. Par contre, je veux juste vérifier si elle est customisable chez Imanitech. Je vais vérifier ça tout de suite. Ok, donc cette voiture possède aussi les améliorations Imanitech. Alors attention, par contre, elle ne possède pas les améliorations en termes de blindage chez Imanitech. On ne les aura pas. Par contre, le reste, pour les verrouillages de missiles et l'option de véhicule téléguidé, ce sera possible de le mettre via Imanitech. Voilà, par contre le blindage, comme on peut le voir des fois sur les portes qu'on peut mettre, ne sera pas disponible sur cette voiture. Donc elle sera en partie chez Imanitech et aussi en HSW. Donc comme la Buffalo EVX de l'autre jour, quand elle sortira sur le online, je vous referai une présentation et un comparatif pour voir la version HSW, ce qu'elle donne un petit peu, quoi. Voilà les amis. Donc on a fini, on va retourner sur la piste d'essai pour la tester en vitesse, voir un petit peu ce qu'elle donne en version LS Custom du coup, déjà. Et puis voir un petit peu ce qu'elle donne un peu sur la route avec les Custom. C'est parti. On va voir un petit peu en vitesse de pointe ce que ça donne. On va la pousser à fond. Et puis voilà les amis, en tout cas elle tient extrêmement bien la route. Elle a une bonne accélération, une vitesse de pointe plutôt intéressante en LS Custom. Donc je pense qu'en HSW on va atteindre pas mal une bonne vitesse de pointe, je pense. Hein. On va skier là. Tac. Et puis on va voir un petit peu ce qu'elle donne. Mais en tout cas ouais, les performances sont sympas. Et elle tient vraiment bien la route, je trouve. Allez, on va pousser. Et comme quoi les MPH, c'est pas terrible, parce que avec la Buffalo on prenait bien plus, alors que j'ai l'impression qu'elle est plus rapide que la Buffalo. Donc comme quoi on peut pas vraiment s'en fier de ces compteurs, c'est ça n'a pas vraiment de cohérence en fait. J'ai l'impression qu'elle va plus vite hein, que la Buffalo en vrai. En LS Custom. De toute façon, on fera le comparatif quand elle sortira. Hein, vu que j'ai fait le tableau sur la Buffalo. En tout cas, voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette présentation custom et test vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez bien les custom. Si cette voiture, malgré qu'elle soit en électrique, vous hype un tout petit peu quand même. Voilà les breakers, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines présentations custom et tests en avant-première. Et puis pour toute autre vidéo, évidemment, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon lundi et puis on se retrouve probablement demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Star Club. Encore merci à tous et à très vite. Ciao.